m'appelle Léa Bousquet, j'ai 15 ans. Je dessine, je peins, je joue du piano, je compose, enfin tout ce qui est dans l'art. Je suis née le 22 juillet 2005 à Étampes. Mon parcours scolaire, c'est un peu une catastrophe, on va dire. Je ne suis pas trop école, quoi. Alors, j'ai joué du violon de mes 6 ans à 9 ans. Je joue du piano et de la guitare. Vraiment sérieusement, ça fait depuis le début du confinement où j'ai vraiment persévéré et que j'ai vraiment beaucoup travaillé, beaucoup dans la guitare surtout. Bah, je me suis lancée un peu dans l'électro, j'ai pris un logiciel sur téléphone et bah, j'essaye un peu de mixer du musique, tout ça, ça. Celle qui m'influence le plus, on va dire, celle qui... Je pense que c'est Billie Eilish. Elle est jeune, elle est talentueuse et puis elle a un style un peu particulier. Je m'y vois beaucoup dans elle. Donc voilà. Au départ, c'était pour épater mes proches, pour les rendre un peu fiers. Comment j'ai appris bon, en fait, j'étais sur YouTube et il y a un éducateur, parce que je lui ai envoyé éducatif, et il y a un éducateur qui est un musicien qui m'apprend quand il travaille de temps en temps des accords, des mélodies, des choses comme ça. Bah, ce que je disais un peu dans l'électro, je sais pas si on peut dire que c'est un instrument, mais voilà. Pour l'instant, je travaille un peu dans l'électro. Mes textes, bah, je les écris souvent la nuit, quand je suis un peu en vade et tout, genre, j'ai beaucoup d'inspiration. Alors, pour l'instant, j'ai comme projet bah, de faire un morceau, de reposer moi-même encore une fois dans l'électro et d'aller au studio et de l'officialiser et puis d'aller dans des festivals et choses comme ça. Si je devrais arrêter la musique, je ferais quoi ? Je ferais du cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais, bah je vais monter dans ma chambre et je vous fais écouter un petit morceau de piano que j'ai composé moi-même.